Thank you.
Bonsoir, Saint-Joseph, bonsoir et demain soir. J'y reviendrai dans un instant pour vous dire qui sera avec nous, puisque pas mal d'entre vous le savent déjà, mais on fera un petit rappel du plateau. En tout cas, il est riche ce soir, bien évidemment. Pour l'heure, nous allons ouvrir cette 11e édition en sachant que nous allons donner la parole à celui que vous connaissez bien évidemment, qui est au cœur de la fondation de cette fête. Bon, ton président, Ami Thierry Romé, c'est quand même notre député maire, même qu'il n'est pas là aujourd'hui, et M. Patrick Le Breton, et son conseil municipal, qui est représenté aujourd'hui par Inelda Bossillon, deuxième Manchouac, Marie-Claude Huet, et Rennes, nos alentours là, les forains. Côté en bas, Teddy Guichard. Les manèges, M. Tompon. Les petits messieurs au milieu, ils sont au port, M. Casal. Ils sont au port, c'est M. Casal. Et à ma droite, c'est les amis Cayenne. Et dans la cantine, il y en a aussi l'expo peinture, Tobin Antium. Et mes bras bien, Florentin aussi, mes bras. Excusez-moi au cas où. Et après, nous avons des personnes aussi là à nous. Là à moi déjà. Parce que mine de rien, mais là à moi vraiment. Après-midi. Et après, nous avons nos partenaires. La vie vient dire aujourd'hui. Avant, on avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, il rétrécit un petit peu. Mais je comprends aussi, la vie vient dire. Bonjour à toutes et à tous. Donc à mon tour, je vais remercier la délégation ici présente, Monsieur Paul Rivière de l'OMS, Monsieur Constant Orné de la Régie Active, et mes collègues élus, et puis notre chère Tatiana Tsenking, notre Miss Saint-Joseph, et puis Monsieur le Président, bien entendu, et son conseil d'administration. Donc je tiens, avant de démarrer, à excuser l'absence de notre député maire, Patrick Le Breton, et de notre élu délégué à la culture, votre élu de quartier, Marie-Andrée Le Joyeux. Ils sont bien entendu retenus par ailleurs, mais ils sont de tout cœur avec nous. Marie-Andrée aura le plaisir de vous rejoindre demain dans l'après-midi auprès du conseil d'administration des Amis de Cayenne. Donc en qualité d'élu délégué à la vie associative, avec mes collègues élus, nous nous réjouissons d'être à vos côtés pour ce moment inaugural. La ville de Saint-Joseph est très heureuse de pouvoir accueillir à vos côtés cette 11e édition de Cayenne en fête, ce qui reste un événement culturel et de loisirs au cœur d'un quartier, un événement ancré dans notre calendrier culturel communal. Et puis quelques petits mots personnels sur cet événement. Cayenne en fête, ça reste un événement qui va mettre en avant la dynamique de tout un quartier, une dynamique qui repose essentiellement sur l'initiative, les savoir-faire et l'engagement de ces associations. Il y en a un certain nombre qui contribuent à la dynamisation de la Maison pour tous à Cayenne, mais il y a surtout les Amis de Cayenne qui sont présents, et on le voit, hein, qui sont actifs du 1er janvier au 31 décembre. Ça, je pense que ça mérite des applaudissements. Et qui s'active pour un public qui part depuis les tout petits jusqu'à les plus âgés dans différentes thématiques. Donc, c'est important d'avoir ce type de fête de quartier pour mettre en avant cette dynamique. Et puis, Cayenne, en fait, moi, je l'ai vu grâce au programme qui est proposé par l'association, par rapport à l'animation artistique, Kenza, une Saint-Joséphoise, je ne vais pas tous les citer. Et puis nous avons surtout Marma et Maloya, des enfants de Cayenne, qui ont été sur le podium l'année dernière déjà et qui le seront encore cette année. Donc un moment de valorisation des jeunes artistes Saint-Joséphois et de nos artistes. Ayo, ayo, abu tu n'as pas ici.
TNT, l'association.